petit remasterisé en plus, ça fait hyper plaisir quand même comme jeu Lego. Le rush à 100%, tous les persos, toutes les briques rouges, absolument tout. Il n'y a pas de... Ok, je crois qu'il y avait un petit truc dans le dans la gare. Pas du tout. Alors quand on fera le 100%, j'aurai une petite carte du château. J'en avais une quand j'avais joué le jeu. J'avoue que la nostalgie donne envie de revoir cette carte. Petit écran de chargement là. Voilà. Oh le bruit de Malfoy en Lego. Excusez-moi, Percy Weasley a une meilleure interprétation dans le jeu Lego que dans le film, merci. Dans le film, il n'apparaît quasiment pas, il me semble, voire zéro fois. Là, il vient d'apparaître. Il vient d'avoir une importance, je répète. Alors, là, si je me trompe pas, je dirais quand même qu'on est dans le mode libre, exactement, puisque là, notre pièce vient de prendre... On vient absolument de prendre du coup, excusez-moi, de l'argent, donc ça veut dire que là on est dans le mode libre. Ok, donc profitons-en. Un petit peu, on va pas tout faire de toute façon. Voilà, ça je m'en souviens. Voilà, on s'en souvient, c'est marrant. On se souvient également que il y a une brique rouge quelque part, puisque un hibou est ici, et que le hibou ramène du coup les briques rouges. A voir qui s'en souvient. Je ne pense pas que nous ayons la capacité. Voilà, comme ça on a la pièce violette et la bleue. Donc on n'a pas du coup le sort, parce que là nous sommes Harry Potter au début de l'année. Ce qui veut dire que nous n'avons absolument nous n'avons rien en termes de sort. Toutes les pièces qui tombent, bien évidemment. Nous n'avons même pas Wingard ou Leviosa ou autre sort, donc, mais c'est ce sort-là dont nous avons besoin pour construire, du coup, avec le bruit de la magie qui est absolument formidable. Ah, nous avons Ron, nous avons débloqué Ron, en perso de Poudlard, du coup, en tenue de Poudlard en tout cas. Parce qu'il y a beaucoup de persos qui ont des tenues différentes, ça vous êtes un peu au courant, en fonction des jeux, bien évidemment. Celui-là, bien évidemment. Et voilà, première brique dorée. Évidemment. Et voilà, une brique dorée. Ouais, une 4 sur 200, c'est pas... Ça a l'air pas ouf dit comme ça, mais... Ok, c'est juste là. Ok, après faut le sort et tout ça. On tape, bon, ça va quand même prendre les pièces, on tape sur ça. Après je sais pas si ça vaut le coup vraiment de faire ça, parce que là, tout ça, on le fera aussi, je veux dire... je vous parie que là on tape sur l'échec, alors genre on a Hermione qui vient de se rajouter à nous. Plutôt on tape là-dessus. Et là.
la partie se joue. Voilà. Donc voilà, ça c'est évidemment pour... ok, j'ai plein de pièces partout. Ouais, donc comme je sais pas si ça vaut trop le coup de le faire, puisque j'suis en train de me demander en fait, c'est le mode libre en fait, en quelque sorte, ça. Mais après, je pense pas que faire que le mode histoire soit très intéressant pour vous, surtout pour vous, si le jeu est pas forcément récent. Donc du coup, évidemment, vous le connaissez, puis tout le monde connaît... Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Harry Potter, je pense, donc... Il veut d'autres fringues, bien évidemment. Ah, j'ai quand même des souvenirs qui reviennent quand je joue. Là, quand je vois le gamin, je me dis que c'est lui qui va se faire avaler par le... Qui va se faire avaler par le canapé, quoi. Et je crois même qu'on a un étudiant en danger quand on fait ça. Là nous avons le garçon de Gryffondor du coup qui est donc un PNJ sans aucune importance, qui est le mec qui dort en fait. Hein. Le garçon n'a pas de nom. Par contre là, ah oui j'ai pas le sort du tout. Ok. Est-ce qu'on peut passer au moins sur le côté? Ouais un peu, ça c'est pas mal. Donc, faisons en sorte que le gamin se fasse avaler. Par le canapé bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Est-ce qu'on a un étudiant en danger ou est-ce que c'est moi qui rêvais? Ça me va. Tu vas péter quelque chose, toi. Oh, les tableaux, ouais, c'est pareil. Hop, on va les... Allez, nous on y va. Hein. Et seuls les Gryffondors peuvent passer. Comme je le disais, seuls les Gryffondors peuvent passer ici. En vrai, on va pas faire du coup. Et là, on a Nick quasi sans tête qui va du coup nous montrer le chemin. Mais voilà. Et donc là, du coup, c'était pas mal du tout ça. Mais bien évidemment. Ouais, on va pas du tout faire le mode libre pour l'instant. On a fait les deux salles. Alors évidemment, il faut l'aura de... Enfin, nous sommes l'aura, nous sommes Croutard, hein, qui je vous rappelle est Peter Pettigrew. Et là, à l'époque, cette scène-là m'a impressionné dans le film Lego. Enfin le film, pas le film, mais dans le jeu Lego. Ça m'avait impressionné. Genre je disais, ah j'adorerais voir ce petit... Du Cerbère, quoi, soyons cash dans ce que c'est pas... C'est pas n'importe qui, c'est un Cerbère, quoi. Mais j'aimais bien, ça m'impressionnait à l'époque. Maintenant... C'est une scène sans plus d'importance que ça, quoi. Excusez-moi, là, je suis en train de prendre 40 ans d'âge, hein. Peut-être pas 40 ans, je prends bien 10 ans dans ma gueule, quoi. J'ai acheté le 5, je me souviens que j'ai acheté le 5 quasiment le jour de sa sortie, me semble. Oh, Flitwick, Flitwick, je vois comment vous l'appelez, le professeur, quoi. Et voilà, on va apprendre à faire ça. Au Wingardium Leviosa. Tout le monde se souvient de la scène dans le jeu, dans le film. On dit Wingardium Leviosa. Il va faire de la merde, il va faire envoyer des élèves, je crois. Hmm.
Oh, j'imagine que j'aurai pas 20 du coup, mais c'est le sort de base, c'est le sort le plus important du jeu, bien évidemment, qu'il faut apprendre. Vas-y, je te sauve la vie. Vie tranquille, tu pourras te coucher ce soir. Heureusement dans une école, mais bon. Oh, moi je voulais Harry à la base. Juste Harry, voilà. C'est la force. Oui, bah écoute. C'est la force violette, mais. What, y'a un cadenas ici? Mais j'ai pas encore le sort pour le péter, c'est un sort explosif là. On apprend ça en quatrième année, je crois. Par contre, là, je sais pas qu'on tape sur le tableau. Ça, c'était cool. On va perdre les feuilles une par une, ça va être un petit peu long, mais il faut des pièces pour plus tard. Hein. Qu'on puisse acheter les briques x2, tout ça. Ce qui est bien avec les jeux Lego, c'est qu'il n'y aura jamais, on sera jamais en manque de jeux Lego pour des esprits Lego. Alors les gens intelligents suivent le modèle qu'il y a sur le tableau. Moi, je faisais pas ça quand j'étais petit. Tout sauf ça. Ah mais fallait monter sur le serpent pour qu'il nous amène. Ah ok. N'ayez pas trop de cuits s'il vous plaît, merci. Je monte là-dessus. Je monte pas là-dessus. Mais non, je monte pas. Bon, alors on va faire autrement, on va faire une construction. Et là, normalement, si je monte dessus, c'est faisable. Ouais, bon, c'est largement faisable, mais. Ça passe, ok. Non, c'est juste que j'ai une intelligence stratosphérique, c'est-à-dire que moi je faisais ça, tu vois. Et puis après, bon, tu montais là-dessus, quoi. Tu cassais les pieds à personne. Quoi. À l'époque, j'avais pas vu qu'il y avait de tableau, si tu veux, la première fois que j'y ai joué. Bon, faire quoi sur lui? Il va me donner quoi? Il va me donner la main. Donne-moi la main. On aurait plus un araignée à la Predator, mais. Ouais, c'est ça que je veux. Oh, le bruit de la magie. Et évidemment, dans Marvel Super Heroes 1, Loki a le même bruit. Parce que c'est le meilleur bruit pour la magie. Dans les jeux Lego, évidemment. Bien évidemment, je suis. Bien évidemment. C'est le sorcier suprême après tout, je te rappelle. Bah, à la limite, il doit rivaliser avec. Avec le Docteur Strange au moment où il a la puissance d'éternel, dans le, qu'il est le héros, je sais plus quoi, mais sinon. Faut que je fasse quoi de cette merde? Quoi? Ah! Si, ouais, c'est un corps, ok. Où est la tête? Derrière ce corps. Donne-moi la tête. Oh, la tête a bugué. Ah non, elle va réapparaître. Ça, c'est pour la main. L'autre main. Ou pas. Merci bien, monsieur. Et voilà, donc on a appris un sort. On a appris le sort le plus basique. Bien évidemment. Waouh, 6 sur 200. Et je continue dans le jeu à 100%. Bah dis donc.
Vous inquiétez pas, on... Tout sorti de l'auberge, hein, dans 2-3 mois, quoi. Ouais, si j'avance un peu plus par stream aussi. J'ai pris de l'argent pour tuer les sauves, logique. Bah, sinon il irait se faire foutre, bien évidemment. Je sauve que les gens qui me payent. Ça s'appelle être un mercenaire, ça. Donne-moi de l'argent, toi. Ouais, c'est vrai que j'ai pas encore la brique rouge pour avoir l'argent des fantômes, il est vrai. Alors, la bleue d'abord. Alors, la bleue maintenant. Bleu. Oh, mais merde. Ensuite, c'est la vert. Et la jaune. Voilà. Maintenant, tu sèches. Disons que dans mon principe à moi, j'ai compris assez le sort pour me casser du cours. Bon, dans la vraie vie, c'est pareil. Une fois que t'as compris que 2 plus ça fait 2, tu vas plus en maths, quoi. Faites pas ça, les gens qui me suivent et qui sont au premier degré. Bien évidemment, on ne sèche pas les. Oh, Russard! Ouais, oui. Où ta chatte? Elle est juste derrière, bien évidemment. Elle s'appelle Mistaigne. Dumbledore, évidemment. Ah, j'ai des pièces perdues. Tranquille, ça va le faire. Un chaudron pas loin. Devant un chaudron quelque part. J'ai une fleur. Ok, il est là. Faut soulever le chaudron. Pourquoi je suis une fleur? Je peux rien en faire de la fleur. Bon, on s'en fout de la fleur. On va prendre notre perso qui est libre. Parce que là. Quarry, il a un truc dans la main, quoi. J'aimerais bien reprendre dans le mode histoire pour avoir des trucs à détruire parce que là le mode libre je me perds dedans si... Ok, voilà. Le mode libre il est trop grand, on a pas... On fera des vidéos, on fera des streams spéciaux pour le mode libre, mais là pour ça on fait le mode histoire quoi. Je crois que c'est le troll, on est déjà au troll? Je crois que c'est le troll, ah oui c'est Halloween. Il m'a jeté un gâteau. Oh là, le côté remasterisé rend bien en vrai. Giga coloré. Je me souviens plus exactement du film, mais je pense que dans le 1, il devait vraiment avoir une gueule comme ça, Dumbledore, dans un truc bien violet, bien flashy. On s'en peut pas, faut attendre le 3 avec Hermione. La logique des jeux Lego. Qu'est-ce que ça m'a manqué? 1/7, mais j'ai les fleurs et les lumières à faire. Non mais... Bon, toi, balance ton mange-mort là, non? Ah non, il y a le bouton rouge. Pas loin quand même là, tout au moins ils sont tournés. Après, est-ce que ça suffit pas pour monter ça fait... J'en ai... Là il y a les poissons à mettre dans l'eau, il y en a 5 je crois. Il y en a 3. Oh, ouais ça va, ils sont là les 3. J'ai vu plus compliqué comme niveau. Voilà.
au bout. Oh, que d'enfer en haut. Alors. Ah ok, je crois qu'il n'est pas explosé. Il n'y a pas d'eau hein, la fontaine ne tire pas d'eau pour l'instant. Ah oui, bah joue au golf. Je joue dans le même style quoi. C'est le golf. Plaisir mon pote. 4 sur 9. Il doit y en avoir dans les toilettes je pense, mais 2 sur 7, ah, j'en ai loupé je pense. Et là. 5 sur 9, ouais ça va, on n'est pas tant dans la merde que ça pour les fleurs. Oh, c'est du mode libre aussi. Non vraiment. Je vais être en stock pour des pièces bleues. Attends, ça me donne les pièces bleues ça. Ah ouais, c'est le moment Ron. Ah c'est le bon moment ça, t'as bien compris le truc toi. Merci. Je suis une femme. Merci madame pour une fraîche. Je l'ai pas vu, pour chance. Bon, on n'est pas du tout bon en termes de pièces. Après il y aura les multiplicateurs, donc ça ira tout seul. Bien évidemment. Alors c'est parti. IQ. Oui. Oui. 5 sur 7. Ce que je me mettrais bien, dis donc. Il doit y en avoir une par là. 6 sur 7, il m'en manque qu'une. Oh, j'en ai loupé une, j'ai le seum quand même. Et non, je vais avoir loupé une seule. C'est le bon moment Harry hein. Ouais. J'ai recommencé. C'était drôle. T'inquiète, je... Et je me dis que je dois pas rester dedans. Comment je pourrais aller aux pièces là-haut ?
pas sûr que ce soit le boss le plus compliqué quand même. Hein. Oh, mais je l'ai. Tu m'as pris pour qui quand même? Je veux bien être un peu débile, mais c'est pas à ce point là quoi. Je dois en faire quoi? Je sais que c'est au-dessus de la tête, mais. Bon. Eh bien, il manquera quand même une lampe. Je sais pas où je l'ai loupé, mais je l'ai loupé. Et heureusement que la magie existe, quoi. Imagine, t'as pas vu les films, là tu découvres qu'en fait t'es un connard depuis le début. Quand tu regardes les films, tu dis « Oh, c'est sympa, j'ai regardé les films !» Puis dans le film, tu dis « Merde !» Oh la vache. Bon, pour éviter de faire une vidéo de 13 minutes comme ça a été le cas hier, on va faire deux niveaux. Hein. Évidemment, parce qu'hier, ça fait une vidéo de 13 minutes. C'est pas, on remarque que c'est pas mal 13 minutes en vrai. Mais après, un niveau par stream, enfin... Toutes les deux semaines, ça va être un peu... On ne va jamais avancer, quoi. Le but, c'est au moins qu'on fasse le jeu dans l'année, quoi. Vous voyez? Donc on va quand même continuer un peu l'histoire. On est en avance. On peut se permettre. Allez, on est reparti. Alors j'avais une technique, c'était de faire ça pour arriver avant le fantôme. T'es nul! Voilà. Un jeu d'ego. Hein. Je vais prendre mon deuxième sort de jeu. Apprends-moi un sort, Flitwick. Flitwick. Je sais plus comment il s'appelle. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre comme sort? Je sais plus quel sort il m'apprend en deuxième. La lumière déjà? Oh oui! Bref, on va voir tes conneries. Il va casser la lumière, il va trouver ça drôle. Après comme ça on pourra séparer, enfin pas séparer mais enlever les plantes. Et voilà. Par contre on aura vraiment un niveau, je dis pour ça on aura vraiment un niveau... Ah oui c'est X. C'est X ou quoi? Ah mais du coup elle va gêner ma caméra. Attendez je vais bouger ma caméra. Du coup elle va gêner. Ça sur Ron parce que tout le monde s'en fout de Ron de toute façon. Ça je vois les sorts que j'ai, ok. Donc Lumos. Quand j'étais en primaire j'avais un délire avec des potes de Harry Potter. On avait imprimé une feuille avec tous les sorts dessus. En mode ouais ça c'est les sorts et tout et bien évidemment on est pour des magiciens quoi. Voilà. On avait des baguettes en bois et on hurlait dans la cour de récré en mode ouais on est les prochains Harry Potter. Enfin, bref. S'amuser bien quoi. Bon, respectons ça pour une fois. Ça suffit ça en vrai ou pas notre joke? Je pense que ça suffit, voilà. Quand même pas. Mais bon. Alors évidemment, si je fais pas la salle, c'est que la salle fait partie de mon histoire. Quand on apprend les sorts, c'est pas une bonne histoire, c'est-à-dire que là en fait la salle on pourra la faire en mode libre de toute façon, tous les cas. Bien évidemment. Donc encore une? Pourquoi les autres ils font rien? Pourquoi ils me regardent? Pourquoi avec moi qui apprends? Parce que l'inverse ça serait chiant. Oui, il est vrai.
Bon, bah voilà, l'humo c'est maîtrisé. Bon, on a bien avancé. Hein. Par contre, là, j'ai rien récupéré les pièces. On n'y reste plus là. Je tiens à récupérer la majorité, je pense. Quel timing en tout cas. Alors ça, il y aura des plantes mandragores et ça servira à casser du verre. Je m'en souviens très bien. Lui il bouge pas. Ah faut que j'aille le voir. Ok, et évidemment, on va aller à un cours de potions avec le meilleur perso de toute la saga Harry Potter bien évidemment. Bon, vous avez compris. On trouve trois trucs et on se casse. Objectivement, ça va être facile. Mais... Mais non, mais il sort ton rat. Objectivement parlant, c'est quand même très simple. Hein. Ah, c'est pas une plante. Ah, c'est un serpent. Il y a quand même ce que je cherche. Celle des potions, pareil, on la fera en libre, bien évidemment. Là, je cherche, surtout j'aimerais bien faire un second niveau du mode histoire, surtout. Pour avancer un peu quand même, parce que dans le c'est toutes les deux semaines Harry Potter, et qu'on a plein d'autres jeux Lego à faire, comme Lego Super Vilain ou les 3 Lego Marvel, j'avoue que j'aimerais bien quand même ne pas trop traîner sur le jeu Lego. Il est vrai, pas vous mentir, que... Que les vidéos où on avance d'un niveau par un niveau, on n'avancerait jamais quoi. Je peux aller par là sûrement. Parfait. Qu'est-ce qui se passe après le troll en vrai? J'ai plus les souvenirs du 1. Il y a le Quidditch non? Pourquoi c'est pas dans le 1 le Quidditch? Si c'est dans le 1 le Quidditch quand on apprend à voler. J'arrive pas à passer. Je crois qu'il y a le Quidditch avec Neville. Ah merde, je passe pas. Il y a un truc à faire. Ah, iPad. Tiens, regarde, du poulet. Leroy Jenkins. Au moins, j'ai eu du poulet. Je pense qu'on va avoir le Quidditch en plus là. Est-ce que mes souvenirs ne seraient pas erronés? On va clairement vers la première. Là, on va clairement vers le Quidditch pour l'instant. Ah, il y a la botanique avant. Oh, c'est pas dès le début là. La mandragore quand même. Ah non. Ah ah.
Oh, ça va, j'ai appris ça il y a 10 minutes, mais tout va bien. Le bruit est pas super envahissant, ouais. Pardon? Qui m'a fait ça? On a rien à faire, j'ai bien compris le machin. Je sais pas tous si c'est un niveau ou pas, ça je pense. On peut faire une pause pour voir. Bon, sinon il y a le niveau écrit au-dessus. Ce n'est pas un niveau ça. Mais... Ah mais évidemment si j'ai pas le bon sens d'activer c'est ma faute. Pour une c'est ma faute, hein. Je passe ça pour... Ok... Oh, pourquoi ça m'a servi ça? Ouais, ah! Attention! Attention! Agréable comme son, quoi. Ok. Là, on monte dedans, très clairement. Oui, enfin, après, on fait ça, quoi. Et voilà, quoi, il est libéré, Ron. Toujours Ron qui est bloqué, hein. Après on a appris que ouais, Limos pouvait servir à deux choses. Bon ça va. Pas trop un souci cet apprentissage là. On a quand même été un petit peu plus stable que les autres. Où est-ce que tu m'amènes cette fois mon pote? À droite ou à gauche? Eh hey, le Quidditch Ça c'est un rappel tout. Quelque chose du genre. Genre ça lui rappelle ce qu'il a oublié, mais c'est pas ce qu'il a oublié du coup. Parce qu'il a oublié, mais c'est le principe hein. Il sait qu'il a oublié un truc mais c'est pas quoi, c'est peut-être plus frustrant qu'autre chose à la limite. Ah oui, Hermione ne sait pas s'y prendre, faut donc... choisir Harry, qui lui ne bégaye pas sur son balai. Donne-moi ça.
Oh, ils vont prendre tarif, non? Oh, oui, ils vont prendre tarif. Je dois aller où? T'es pris pour qui, mon pote? C'est chaud de viser, hein, vous m'excuserez. Oh, il y avait du bois, justement. Encore plus ralenti là? On sait jamais. Ouais, voilà. Oh, merci. Encore un. Bon. Ben voilà. Alors là, franchement, en 46 minutes, on a appris, mais. Tellement de trucs. L'école, on te bourre d'informations. Ben, je lancerai pas le débat sur les cours parce que. Je trouve que l'école est très mal faite de nos jours, donc. Et je parle pas des écoles supérieures, ça j'y connais rien. Je parle évidemment des écoles primaires. Primaire, collège, lycée. Bien évidemment. Excusez-moi, juste le boss. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut faire la recette ou pas avant? Je ne sais plus, je crois que oui. Mais... voilà. Il la faut... Alors ça c'est... Excusez-moi, c'est un move... En fait, je ne peux me permettre le meilleur move. Voilà. Donc ça, c'est pour évidemment hop. Libérer. On va dire le. En fait, on va lancer ça. La boule va partir comme ça. Là, actuellement, on va vers le terrain de Quidditch. C'est donc notre troisième mission. La question c'est est-ce que je ferai la mission du Quidditch aujourd'hui? Oui. Je pense que oui. Je pense qu'on peut se le permettre. Parce qu'au pire on prend un peu de retard sur Pokémon Arceus, mais étant donné que Pokémon Arceus c'est tous les jours. C'est moins gênant si on a du retard quoi. On n'a pas, pas de temps de fin. Deadline donc, du coup j'avais raison. Pour Pokémon Arceus. Et en plus même, Pokémon Arceus, il faudrait que... Enfin... Entre Pokémon Arceus et Let's Go, même si j'ai d'autres projets après sur Pokémon entre maintenant et la 9ème génération, cela ne change pas que faut quand même qu'on pense à combler un peu entre le moment où on aura fait tous les Pokémon et le moment où la nouvelle génération sortira quoi. Donc bon, c'est pas grave si jamais on est un petit peu plus lent sur Arceus. Le but est quand même de le finir... à la fin, quoi. Au moins le mode histoire. Après, on fera peut-être quelques quêtes secondaires. Il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, je le sais. Hein, comme certains légendaires. Mais à part ça, le jeu. Honnêtement, je trouve. Non. Je trouve Légende Arceus pas super. Pas aussi intéressant qu'il aurait pu l'être, malheureusement. Même s'il est bien, il est pas super, quoi. C'est un jeu ok tiers, on va pas se mentir. Ok, la maison de la Grid qui est là-bas. Je pense que la prochaine fois qu'on jouera, on finira la première... Je veux ma pomme! Je veux ma pomme verte! Heureusement qu'il n'y a pas de pomme rouge en Lego. Mais la prochaine fois qu'on jouera, je pense qu'on finira la première année. Je pense. Excusez-moi! Je veux un tapis rouge! Il va se la péter.
petit rush, c'est pareil, comme le mode. En fait j'ai fait au premier niveau ce que j'ai fait, j'aurais pas dû le faire. Parce que objectivement le mode histoire, c'est ce qui il y a l'histoire, évidemment. Justement c'est l'histoire qui intéresse les gens. Le farming en soi n'est pas forcément intéressant. Je sais pas ce que j'aurais dû faire au premier niveau, c'est-à-dire tryhard l'histoire même, enfin le. Ouais, l'histoire, mais pas le reste. Pas le reste du coup. Et ok. Là on a ce qu'il me faut juste là. Comment on fait descendre ce truc là? Il y a un tableau quand même, le tableau je le sens pas spécialement. Pourquoi je peux remonter là? Pourquoi je peux remonter? Oh, ce serait pas très utile en fait. Comme ça, quand on sera au mode histoire, on fera bien tout ce qu'il faut. On n'aura pas l'impression de se répéter. Voilà. Parce que dans tous les cas, il faut tout refaire, je crois. C'est quoi le but de l'histoire là? Faut aller où? Il y a le truc, évidemment. Monter en haut, ok. Si on veut, on peut aller chercher là, effectivement. Je l'ai mal placé, mais on s'en fout. Je pense que j'ai même pas besoin du bleu pour y aller. Tu peux déjà le faire, c'est Hermione. Évidemment, c'est un truc de 5 ans, donc ça, on pourra se planter, bien évidemment. Et jamais on se plantera dans tous les jeux. Sur les deux jeux, il y a le même truc. C'est quoi l'intérêt qu'on a de se planter sur un truc où il y a 4 choix, quoi. Qui es-tu? Qui es-tu pour croire que tu vas réussir à me bloquer, en fait? Bon, ok. Ah mais premier degré tu te prends intelligent en fait toi. Je crois qu'il fallait l'affronter comme ça. Il y a un mec derrière c'est sûr. Okay. Ok. Voilà. Ah mais c'est un serpentard. On avance un peu trop vite hein, en vrai. Excusez-moi, il y a une strate de génie là un petit peu là, non? Oh, c'est satisfaisant ça. C'est vrai qu'après le stream, je voudrais m'occuper de mon TikTok un petit peu. C'est vrai que je viens de réfléchir et de penser que TikTok, je suis... Enfin, TikTok, je mets des espèces de mini best-of. C'est vraiment des petits moments où je me dis, ah, ça c'était drôle, dis donc là. Vraiment. Je viens de penser que j'en suis au deuxième stream actuellement. Je vais faire un tous les deux jours. En vrai, tous les jours, ce serait trop, je trouve. Mais... Oh, on a fini. Oh, les rushs du mode histoire, c'est des rushs, quoi. Hein.
Ouais, bravo Harry. Est-ce que je sais pas si les gens le savent, mais il existe un vrai Quidditch dans la vraie vie. Ça existe le Quidditch. C'est grave hein, mais c'est drôle. C'est grave drôle quoi. Alors, pour que de faire des blagues à deux balles, ce que je vous propose, c'est que YouTube, on va sûrement s'arrêter là. Donc, je viens de penser à un truc, c'est que moi, quand je fais des vidéos pour YouTube, je parle rarement à YouTube. Or, je trouve qu'on devrait plus parler à YouTube quand on fait des streams comme ça. Donc du coup, pour YouTube, on va se dire à dans 2 semaines, puisque le prochain Harry Potter, c'est dans 2 semaines. Et puis, n'hésitez pas à venir sur Twitch, puisque c'est sur Twitch qu'on prend de l'avance. Vous verrez en avance qu'il y a hors les best-of. Après, les best-of, il y a du montage, évidemment. Du montage, et c'est beaucoup plus court. Il est vrai. Voilà, donc ce que je vous propose du coup, c'est qu'on se retrouve dans 2 semaines pour YouTube. Et nous, Twitch, on va faire une petite pause, le temps de virer sur Pokémon Légende Arceus du coup, et de sauver du coup Arcanin, parce que c'est la suite de l'histoire. On a changé un peu notre équipe hier, on va voir ce que ça va donner. Je pense que malheureusement, on va manquer de farm pour la suite de l'histoire. Je pense qu'on va être obligé de faire des quêtes secondaires un peu plus tôt que prévu. Ça, on verra. Mais voilà, donc on se retrouve dans 2-3 minutes.